Bonjour Broudaf. On est de retour sur Wildmander. Ouais. Et écoute, ouais. C'est le début de la nuit, je te propose d'aller au fragment. Oui, ça me va. J'ai de l'eau. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai de l'eau. J'ai de l'eau. J'ai à manger. J'ai à manger, mais pas trop, mais on va dire que ça le fait. Et j'en profite parce que j'ai complètement oublié de le faire lors des précédents épisodes. Je remercie Future Friends pour les clés qui nous ont été données. Ah bah oui, merci Future Friends. Bon, de toute façon, tu peux toujours demander, le faire toi-même ou demander au Signe de faire un petit montage sur le premier épisode en disant que tu remercies. Bah, de toute façon, ça sera marqué dans la description. Mais ça coûtait rien de le dire. Et c'est qui se fait déjà soif? Voilà. Haha, je trouve un cactus! J'ai une fleur de cactus! Je suis riche! Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est loin! Ouais. C'est vrai que c'est quand même super pratique de pouvoir glisser, ça. Ça rend le déplacement un peu plus rapide. Et moi je suis intriguée parce qu'il y a une lumière verte. Je vais aller voir. Ah, ça doit être un esprit. Ouais, ça a l'air d'être un esprit. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Je vais éviter de tomber dans les trous. Dommage, il s'enfuit. Où vas-tu, petit esprit? Cours, Forest, cours. Comme c'est étrange. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu d'enfant. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais je peux vous raconter ce dont je me souviens encore. D'autres esprits présents dans les parages pourront aussi vous aider. On a donc trouvé le fantôme voyageur. Ok. Et du coup, on a dû avoir alors un petit souvenir. Ah. Tu préfères le métier à tout tisser et les babioles ou la menuiserie? La menuiserie. Eh ben, validons la menuiserie. Voilà, on va devenir des menuisiers. Moi j'ai perdu Broubrou qui est par là. Ouais, je suis parti me fighter. Ouais, je vois ça, je vais monter, ça sera peut-être plus pertinent pour te retrouver. Mince, trop tard. Ah non. Non, je dis trop tard, c'est pour envoyer le truc. Voilà. On m'a dit que Poupou est par là. Continue de grimper. Wouhou! Plus qu'un. J'arrive, Poupou. Oups, j'ai tombé. Je te vois, je suis tout en haut et je te vois. Maintenant, faut que je descende. Voilà, donc j'ai nettoyé ici, il me reste encore un truc là-bas à nettoyer. Je vais descendre. Thank you.
C'est un joli petit village que t'as trouvé. Ouais. Il y a 2-3 maisons, quoi. Oui, il y a 2-3 maisons un peu cassées. Alors, puis-je faire quelque chose pour aider vous? Bah, il va falloir aller faire la dernière. Celle où j'étais morte, d'ailleurs. Je vais regarder ce qu'il y a dans la maison. C'est malin, ça. Il y a un portail. Ici, il y a un petit portail, mais on peut pas encore les utiliser. Ah oui, c'est ça qui m'empoisonne. Ok. Non, mais arrêtez de m'empoisonner. Il y, y en a dedans. T'es monté? Ouais. Ah, là, il y a un coffre. Des graines d'amarante sèches. Tu crois qu'on peut les planter, les graines sèches? Oh, un petit coffre ici aussi. Ouais. On peut les planter et après... les arroser. Du fruit de fleurs de brune sec. Oh. J'ai trouvé des champignons ombrelles mais contaminés. Oh non. Alors avec un cataclasme on pourrait... restaurer leurs blessures, ouais, mais ça les décontamine pas. De toute façon, on n'a pas de cataplasme. Après, on peut les faire, les cataplasmes, il me semble. Ouais, peut-être pas tout de suite, mais ouais. Ouch. Mon champignon m'a lâché en cours de descente. Bien, on se fait la dernière. Même pas un petit peu de bouffe dans ces machins. Arnaque. Oui, ça va, j'ai quand même des choses à manger. T'as exploré ce truc-là ou pas? Ouais, il y avait 2-3 petits bouts de bois. Ok. Bah, je te propose d'aller faire la dernière. Je te suis. Ce serait par où? Ce serait par là? Pas de... Ah! Faut pas de comète rose en tout cas. Ouais, ouais, je sais pas. On va prendre de la hauteur et on va regarder. Tout à fait. Ça, on va aller mettre ça. Hop, en accès rapide. Petite église des chefs. Tu meurs pas, hein? Non. Bonjour, petite tombe. La stèle érodée par le vent. Du coup, on peut pas lire la stèle parce qu'elle est érodée par le vent. Du coup, les écritures sont illisibles. Hop là. Petit cactus. Ah, j'ai trouvé la comète rose. T'as trouvé la comète rose? Il faut grimper. Oui. Le seul truc, c'est qu'il faut pas se jeter dans le trou comme moi.
Alors, est-ce qu'il y a une manière de redescendre ici? Hop, voilà. Toujours des manières de redescendre. Il y en a qui sont plus safe que d'autres. Voilà. Je me suis trouvé la manière pour descendre sans perdre de points de vie. Et maintenant, il va être temps de crier vengeance. Là, on va pouvoir récupérer ton corps. Ouais. Mort. Gaffe, il y a plusieurs fantômes. J'arrive. Oh là là. M'occupe du truc. Ah non, il s'occupe de toi. Oui. Les renvoyer dans la tronche. Voilà. Vous les cassez, cassez. Allez, je vais casser celui là-bas. Ah non, hé, tu m'empoisonnes pas, saloperie de machin! J'ai plus beaucoup de vie! Je veux pas mourir! Est-ce que j'ai quelque chose qui redonne de la vie? Un peu silex. Allez, hop! Tu l'as tué, t'as ramassé le petit éclat? Ça a l'air. Ah, il y a un petit éclat ici. Oui, regagner des PV, regagner des PV, mais moi, je veux bien regagner des PV. Mais vu que je suis empoisonné. J'ai trouvé mon corps. Ouais. Enfin, ça devait être mon corps, il y avait tout un tas de barres là-dedans. Oui. Avec un gland, ouais. Bah écoute, on va rentrer à la maison. Oui, je te suis, en espérant pas crever. Simple, ça va être passé par là, je pense. Ça dure hyper long, le poison. Mmh. Ça y est, il est parti, donc je vais pas crever, mais quand même. Empoisonné, non mais sérieux. Un truc sur le sol sûrement. Qu'est-ce qui m'a empoisonné? Oh, j'ai trouvé un morceau de jade. Oh, jade carrément. Mince, j'ai renversé la loutre au lieu de la boire. Ah ouais, le loup classique. Vite que toi. Non. Est-ce que je ramasse des fleurs de lys? Bah moi aussi. Est-ce qu'on peut avoir...
un éventail d'ombre elfraie. Ouais, ça fait quoi? Pouvoir améliorer nos outils avec ça. Alors, ici, il y a quoi? Hop. D'accord. Des graines d'amarante et d'herbe. Du cuivre et une clé et un gland. Ok. Ah, je vais retirer les gammas, sinon ça va être trop lumineux pour les gens. Ouh, j'ai un gland mais tout bleu. À ne pas sortir de son contexte. Ma fleur de lys. Allez, là, on n'est pas protégé du soleil, faut se dépêcher. Vas-y, pas crever. Même pas pour les cactus, j'ai pas d'eau pour les... Ah bah, je viens d'utiliser ma dernière eau pour avoir mon cactus. Ah, je perds de la vie. J'ai trop soif. Ah, je sais pas si je vais y arriver, hein. Pas très loin au pire. Ouais. Mais c'est vrai que... Parce que là, ce serait dommage. Il me reste moins d'un quart de ma vie. Je pensais avoir trouvé un endroit où je pouvais me mettre à l'ombre, mais non. Ah merde. Je suis mort. Ouais, puis... Ah, ça va. Je suis pas loin de la maison. Non, t'es pas loin de la maison. Alors, par contre, l'outre, on la remplit. On voit. On la remplit à nouveau. Et on va aller se chercher le sac. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le petit marqueur le curseur de mort sur la map. Ah, quoique, petit truc rouge là avec les espèces de baies rouges, ça doit être mon ce que j'ai ramassé là. Ah. Hop, on est à la maison. Mais oui. Enfin, pour l'instant, tu es à la maison. Oh, t'étais pas très loin. Sois pas conne. T'es à la maison, donc tu bois. Bon, c'est bon, j'ai tout pris. J'ai pas l'impression d'avoir tout récupéré là. Ah merde.
Après, vu que je me suis, vu que je suis mort coincé entre deux endroits, je me dis peut-être qu'il y en a un peu plus haut. Oh, ce serait ballot. Ouais, ou alors il y a des trucs qui ont pourri, je sais pas. Après, j'ai récupéré les essences gelées, j'ai récupéré un gland, mais il a pourri. J'ai récupéré mon tonifiant, donc ouais, on va dire que j'ai le principal, quoi. Bon, par la Vidias, rapporter le fragment et rapporter le fragment. Maintenant, il va nous apprendre à fabriquer des remèdes et à trouver les fantômes. Paf. Alors, ici. Alors, ça. Il me faudrait une gousse d'aiguépine pour faire un cataplasme. Alors. Est-ce que je peux t'en mettre là? Est-ce que j'ai ça? Une gousse d'aiguépine. Sinon, on va en avoir à la nuit tombée, hein, sûrement. Je n'ai point ça. Alors, je vais nous créer un hôtel ancestral. C'est intéressant ça, le glisser déposé est un petit peu buggé dans le coffre. Ouais, vaut direct, vaut mieux transférer en ouais, fait. Ouais, avec les touches, mais ouais, c'est un peu. Bon, et le reste, a priori, t'avais dû arroser. Non, ça c'est pas non, arrosé. Non, j'ai pas tout arrosé. Y a trop à arroser. Bien, vu que c'est la nuit maintenant, quasiment, on va pouvoir parler aux ancêtres. Alors, quel... On va faire le fantôme des arcanes, tiens. Hop. Tu viens ? On va aller lui parler. Je remplis mon autre histoire de... Tu fais bien, tu fais bien. D'être sûr de ne pas crever de faim. Et j'équipe mon miroir parce que j'ai vu qu'il y avait des petites méchancetés qui essayaient de nous poursuivre. Ah bon? Ouais, il y en a un. Ah oui. Voilà.
Grimpons cet immense escalier. Coucou toi. Oh. Écoutez une histoire. L'essence est l'énergie même de la vie, façonnée par la concentration et la visualisation. Laissez-moi vous enseigner ce que je sais. Voilà. J'avais interagi avec l'hôtel ancestral pourtant. Bah oui. Pas. C'est comme ça que j'ai découvert lui. Bah oui. Il se fout de ma gueule. Un petit peu, ouais. Et du coup, on a deux en arcane, on va pouvoir déverrouiller les pierres de symbole pour réparer les vieux téléportails. Bah écoute, je vais retourner faire actionner l'hôtel. Bah ouais, c'est un peu con, mais... Ouais. Alors, on va faire quoi? Fantôme spirituel, tiens. Ah, il va falloir grimper. Et là, on a la quête porter le gland à l'hôtel de Nala. Oh oui! Là, il y a plutôt. Ouais. Je suis en pleine forme, mais j'ai pas beaucoup de bouffe. Normalement, j'ai toujours mon biscuit, moi. Oui, j'ai mon biscuit. Oh. L'a-t-on déjà activé? Je pense que oui. Ah, je suis pas sûr, il faut des trucs pour activer. Mais en tout cas, on l'a déjà lu. Écoutez une histoire. Ouais. Ah, c'est peut-être celle que j'avais réussi à activer alors. Autrefois, don de glands et de fleurs, et je n'ai pas vu la suite. Cher fantôme initié. Pas très gentil. Pour la peine, je pille ton coffre. Une clé. Des graines d'amarante. Trop cool. T'en as planté des amarantes, je crois, non? Ouais, j'en ai planté. Elles devraient pas tarder à donner des fruits. Bah écoute, je te propose d'aller faire la quête principale, la porter le gland. Parce que ça va permettre de réactiver les portails. Ouais. Par contre, vaut mieux être deux, parce qu'il y a pas mal de trucs à taper. Taper? Oh là là. Oui, c'est reste gentil, ouais, c'est par ici. Je te suis. Bon, je fais le plein. Hop, du bois. Ouais, on va pouvoir planter plein de graines d'amarante. Ça, c'est cool. Je vais voir ce que je peux manger. Il y a un gland que je pourrais manger. Ah, c'est un gland ancien, le gland bleu que j'ai. Et la graine d'amarante, je pourrais les manger aussi un peu, ouais.
Voilà. Bon, maintenant il se fait soif avec tout ça. Non. Oh punaise, j'ai renversé de l'eau encore. Quoi? Tu gaspilles notre eau. Hop, je vais mettre les gamins histoire que les gens voient mieux. Je suis derrière toi! Ah oui, de loin! Bon, je vais boire un petit coup. Histoire de. Et on rééquipe le miroir. Ça paraît une pas trop mauvaise idée. En effet, en effet. Qu'on aura débloqué ça, vu qu'on pourra circuler plus facilement, on pourra se focaliser un peu plus sur la source et augmenter les plantes et tout. Ouais. C'est vrai que l'exploration à pied, c'est long. Un peu, ouais. C'est rouge! Oh là là, Rudafa disparu! Il y avait un trou! Je suis pas mort, mais il y avait un trou. Donc ne fais pas trop de glissade au bord de du précipice. Ah, on peut lui offrir un tribut. La tombe poussiéreuse, ben, offrons-lui. Oh. Son histoire. Je me souviens encore de l'époque où toute cette terre était verdoyante. Aujourd'hui, le soleil brûle plutôt que de réchauffer et la terre est desséchée par le sel. Faites attention à vous, petit, à votre eau, petit bourgeon. Bon, alors, moi, je t'attends. T'es dans la cabane, ok. Oui, il y avait un coffre. Allez, on va aller se taper. Ouais, je suis là, j'arrive. Je mange juste ça, histoire d'être bien. Un petit peu de life. J'ai mon miroir. Tout va bien. Alors, hop, on se rapproche, on interagit. Oh là là ! Et voilà, ça nous a débloqué les beaux monstres là. Et ce n'est pas fini. Voilà, je te laisse renvoyer la. Naise.
empoisonné par Voilà, il y en a une de cassée déjà. Mais... Putain, je voulais pas interagir avec ça. Non mais... Et une autre de cassée. Je crois que je suis morte. Oups. Ah bon? J'ai eu un succès... un peu bizarre. Je vais le garder. Bah non, je suis pas. T'es peut-être morte avant que je valide le truc. Donc t'es là dans la scène cinématique, mais après... Ouais. Du coup, ici, on a une deuxième source d'eau. Et on a des... cactus pour récupérer leurs fruits. Non. C'est pour ça aussi que je voulais débloquer ça. Oh, cadeau. Approche, j'ai un cadeau. Bah non, je suis vivante. C'est quoi le succès que j'ai eu? Non mais... Voilà. Donc on a une graine de souvenir maintenant. On a un coffre aussi. Ah! Ok, le succès que j'ai eu, c'est qu'il ne me restait qu'un seul PV et je ne suis pas morte. Ah, bien. Est-ce que tu as la clé? Est-ce que j'ai une clé sur moi? J'ai une clé sur moi! Mon cher Broudaf. Alors, ouvre le coffre, s'il te plaît. Oh là là, une pierre de cristal, du gâteau, de l'ambre, du cuivre et un parchemin de survie. Qu'est-ce le parchemin de survie? Ah, c'est le journal d'un voyageur, je peux le lire. Ok, et du coup ça me donne un souvenir. Hop, parti chercher tous ces trucs-là. Je vais pas réanimer la plante, je vais récupérer ce qu'il y a là. Ah, c'est enfoui. Voilà. Et du coup, en fait, on peut faire un deuxième campement ici, plus ou moins, j'imagine. Après, ça va penser. Ça n'a pas forcément l'utilité puisque maintenant on va pouvoir se téléporter. Oui. Mais si on voulait. Voilà, si tu ronfles trop fort, j'irai installer ma tente ici. Et alors l'autre qui est décédé, il a dû lâcher aussi des trucs au sol. Ouais, c'est là. L'éclat. Bien. Écoute, on va essayer sa graine de souvenir. Hein. Des chemins de fleurs, c'est cul. C'est marrant. Je sais pas du tout à quoi ça sert.
majesté jusqu'à là. Oui. Déjà, elle est où? Je crois qu'il fallait lui reparler après ça. Bronzage. Bah, d'accord. Tu bronzes. Ouais. Alors, les autres divinités. Yeah, hop. Redonner vie à la terre. Téléportail. Écoute béni. Il faut de l'eau et des essences pour faire ça. Tiens, je vais en fabriquer d'autres. Voilà, je peux plus en fabriquer, j'ai plus assez d'essence. Bien. Bah t'es où, Chobiti? Je suis derrière toi. Derrière moi, d'accord. Tu viens en portail? Oui. Ah, tu nous as pris un souvenir. Et du coup, on va repartir. Alors, je peux pas la... Voilà, téléportation à l'oasis. Ah, j'ai pas pu me téléporter avec toi, c'est nul. C'est chacun son tour. Eh ouais. Et du coup... Ah, moi aussi, il faut que je fabrique une restauration de portail pour pouvoir l'utiliser, c'est ça que vous me dites? Ah, peut-être. C'est un peu ce que j'ai l'impression qu'il me dit. Alors, je vais faire des cataplasmes. Je peux pas faire d'infusion. Alors, j'ai peut-être des choses à planter, moi, dans tout ça. Alors, ensuite... Attends, je vais faire une jardinière. La pierre de symbole. Mais j'ai pas les essences pour. On peut faire des ponts, des bases de statues, maintenant. Ah, il faut de l'engrais pour faire de la jardinière. Oui, mais je peux peut-être te... Tiens, j'ai débloqué les outils en silex. Alors moi je vais faire la bêche en silex déjà. Et je vais pouvoir faire aussi la faux. À compost, faut le laisser agir, j'imagine, qu'il nous fasse du compost. Ouais, mais il faut mettre des trucs dedans surtout. Moi j'ai récupéré une des clés. Je te laisse récupérer l'autre. Par contre, il va me falloir de ça et de ça, je pense. Je vais nous refaire des paniers. Là, il est plein de chez plein. Comment ça, j'ai soif? Mais bois, sois pas conne. Voilà, maintenant on a 4 petits paniers. Ah, t'as récupéré ta clé aussi, parfait. Même pas. Il y avait une clé dedans, elle y est plus. D'ailleurs, les amarantes, elles ont produit des trucs. Pas encore. Récolte dans 3 heures, mais c'est lent.
3 heures. Hop, et ici. Ah non, c'est que j'étais pas dans le bon panier, d'accord. Alors, ben je vais planter les autres graines d'amarante que j'ai. Hop, ici on met ça, ici on met ça. Dans le compost. On va rajouter ça, le gland pourri. Je vais nous planter des cactus là à la maison. Oh, des cactus. Ouais, parce que bon, j'en garde un fruit sur moi, j'en ai planté deux. Pas forcément, j'ai soif moi du coup. Regardez si j'avais grand chose à manger, s'il me reste du cactus. Parfait. Alors, le champ de croissance est encore reverrouillé, d'accord. Attaque de spectre en approche. Comment ça, attaque de spectre en approche? On peut même plus planter tranquille. Hop, celui-là j'ai accéléré sa croissance. Celui-là on fait la même chose. Voilà, 58 heures avant de récolte. Tiens, récupère tes points. Moi, je suis à fond en point de... En point de magie. Ouais, pareil. Ça y est. Ah bah, j'avais déjà les gammas. Ok. Par contre, le petit warning attaque de spectre en approche, je ne sais point où ils sont, les spectres. Ouais, ils vont arriver plus tard. Oui, je m'inquiète pour rien, je suis d'accord.
Alors, est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à planter? Ou des choses à mettre peut-être dans le coffre, hein, qui pourraient être intéressantes? Voilà. Dans celui-là... Il y a ça... Voilà. Celui-là, il n'y a rien. Et... Voilà, celui-là t'es en train de l'utiliser, d'accord. Oh, je te le rends, je te le rends. Ah, oh, mais c'est pas grave. Je vais juste rajouter des trucs dedans. Voilà. Ok, ici, hop. Et je te propose que l'on s'arrête là. Ça me va. C'est toi qui dis au revoir. Oui, c'est moi qui dis au revoir. Bah, merci Broudaf pour cette petite aventure. Merci à vous de nous avoir regardés. Et bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye. Ouais. Eh ben merci à toi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, partager la vidéo, et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Ciao.